Une boule roule à 5 mètres par seconde sur un plan horizontal. Quelle hauteur peut-elle atteindre sur un plan incliné si on néglige tous les frottements? Voici les données. La boule roule sur ce plan horizontal à la vitesse v de 5 mètres par seconde. Ensuite, elle monte ce plan incliné. Et ce que nous cherchons, c'est cette hauteur maximale qu'elle peut atteindre, hauteur que nous exprimons en mètres. La hauteur maximale sera atteinte lorsque la vitesse de la boule est nulle. Pour trouver cette hauteur maximale, nous appliquons le principe de la conservation d'énergie mécanique. L'énergie cinétique ici doit être égal à l'énergie potentielle d'altitude ici. Donc, E indice K est égal à E indice P. Pour trouver cette énergie cinétique et cette énergie potentielle d'altitude, nous appliquons ces deux formules-là. Donc, nous déduisons de cette égalité que mv² sur 2 doit être égal à m fois g fois h max. Nous pouvons simplifier cette équation par m et ainsi elle mène vers h max est égal à v carré sur 2 fois g. Nous remplaçons le v par 5 et le g par 9,81. Et ainsi nous obtenons que la hauteur maximale est de 1,274 mètres.